Hey, salut à tous, c'est Adrien, je vous retrouve pour le premier épisode de The Last of Us. Oui, vous ne rêvez pas, Adrien est en train de faire un jeu PS3. Adrien qui parle aussi de lui à la troisième personne, preuve qu'il se la pète un peu quand même, voilà. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de The Last of Us. Et avant de commencer, j'ai 2-3 petites infos à vous dire. Je fais l'acquisition d'une PS3 FAT. Et d'après tous les feedbacks que j'ai eus, la PS3 FAT a tendance à fondre face à Last of Us. Donc j'espère que ça ne m'arrivera pas. Voilà. Sinon on est dans la merde. Très bien. Parce que j'aurais pas des moyens de m'en payer une autre. Hein. Bref. On est parti. The Last of Us, jeu de Naughty Dog. Naughty Dog que j'adore pour Crash Bandicoot. Que je n'ai jamais. Qui est connu pour Jack and Dexter. Je n'ai jamais joué. Et qui est connu pour Uncharted. Que je n'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas mon trip, jeu d'action comme ça, vous voyez, genre, de temps en temps, un comme ça, ça me va, mais c'est pas mon trip. Par contre, The Last of Us, une espèce de survival horror, qui n'est pas un vrai survival horror. Bref, c'est parti. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Tonalité. Il marche pas. Damn. Alors, amusons-nous un peu. Oh mince. J'ai oublié de lui donner ça. Tu n'es pas un fossile. Pas encore. C'est la musique que j'écoute. Tu méprises carrément les films que je regarde. Et pourtant, bizarrement, tu regardes chaque année être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bonne nuit, ça papounet. Bisous, Sarah. Cette sensibilité me rend malade. Papa? Allô? Quelqu'un? S'il vous plaît, Martin?
Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge, rappel massif attendu. Police. Une femme hystérique tue son mari et trois autres victimes. Ça y est, vous avez compris ? Papa ! Ce qui va se passer ? Ouch. C'était un effet. Papa ? Ah, c'est proche d'ici. Comment on court ? J'ai le droit de courir ou je peux me faire foutre ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux pas savoir ? Hein ? C'est son téléphone. Heureusement qu'il fait de la lumière. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es ? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. No signal. Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas. Commande à manger, on se voit demain matin, papa. Voilà. Sarah, tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain ! Jimmy ! Papa ! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens. Non. Allez, allez. Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez. T'es passé. T'es au courant de ce qui se passe c'est dans quoi rien. Tirons nos désirs. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. S'il te plaît. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Une sorte de parasite ou je sais pas quoi. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie ? Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Yo. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Il disait, l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 61. Ils ont dit le nombre de morts. Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée Tommy. Dans sa maison. Comment c'est arrivé ? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette enfoiré s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade ? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville ? Si, c'est ça. Alors tout va. Où
voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue! Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. On aurait dû les aider. Recule, ma puce. Recule. C'est l'apocalypse! Oh putain! Comment on court? Comment on court? Je peux pas courir plus vite? Oh putain, pas par là! On va aller par là? Pardon, excusez-moi, vous êtes sur le chemin? Et il y a une voiture en feu qui nous fonce dessus? Vite, 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 vite! Ok. Et là, on va tomber. Ouais, merci. Merci! Pas me faire choper par les zombies, pas me faire choper par les zombies, pas me faire choper par les zombies. Excusez-moi, pardon, je voulais pas vous laisser là, mais j'ai ma fille. Non mais tu me suis pas. No fuck. Ça va chérie, c'est fini. Hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades.
J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah! Chérie! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Non. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux cieux. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va.
Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. J'avais beau savoir que Sarah elle mourait quoi. Ça fait mal au cœur quand même. Enculé. Bref, allez. Bienvenue 20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok. Oh putain! Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infos. Ça va, tout va bien? Et je suppose que nous aussi. Ouch. Nous avons eu de nouveaux papiers. Ok, il est mort. Checkpoint. Soft 5. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Bah, c'est bien ma veine. L2, c'est... Oui. Eh ben putain! Ça aurait été trop beau. Bah. Rafistole-toi, ok? Prends du temps, alors c'est peut-être bien l'issue. Ok. Il faut fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Eh merde! Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Et Tess? T'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Ok. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? C'est une question! Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Ok, donc cette Marlène est parmi les Lucioles. Qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'en sais rien. J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Donc les Lucioles, si j'ai bien capté, sont une groupe de libéralistes révolutionnaires qui font tout péter pour avoir le pouvoir, le brancher du gouvernement. Parce que c'est la loi martiale, parce que zombie. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça va. Comment ça va être le bordel dehors? Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Nice. Je désirais entendre. Et Ah, j'ai compris.
Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Mais non, démerde-toi. Attention, la bouteille. What? L'équilibre mystique, magique, infini de cette bouteille. Merci. T'inquiète, pardon. Désolé. Je sais pas ce que je raconte, moi. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Ok. Ah, j'ai quand même le droit d'accélérer un peu. Ok. Croix pour franchir. Neuf millimètres, je dirais. Pas beaucoup de munitions. Ne gaspille pas alors. Le masque à gaz. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Oui. D'accord. Ah, Y. Triangle. Pardon. À moi. Merci. Allez. Il y a un petit départ tranquillou quand même. Bon, je pense que le jeu sera quand même assez tranquillou. Il y aura juste beaucoup de pression par moment parce que on joue un survival quand même. Je sais pas où jouer les bisounours. Bonjour. Clank. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. Ok, je serai là. Vous n'étiez pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben, je suis du genre romantique. Pas d'autres atouts. Comme quoi? Mon irrésistible barbe. Mon look 50 ans qui me donne... certaines swag. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Hein? De quoi? L'échelle? Ah, là voilà. Je l'ai. Rapporte-la ici. Ok, j'ai compris. Je suppose que je dois la fixer là pour monter. Ah, mais je sais que je suis un génie du... Ok, non, j'ai rien dit, je suis nul. Oh, attendez, comment je fais? Hop, voilà. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Ok. Je vous ai déjà dit, je détestais cette manette. Bien, les gâchettes, elles sont... Faut descendre par là. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Attends. Des sports. Oh, damn. Des sports de quoi? Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Je mets en rond, là. Ah, pour me baisser. Puis sur rond pour vous accroupir. Sympa, mais je fais quoi là? Ah oui, d'accord. Ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Je découvre. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ah, je vais me taper des zombies, c'est ça? Est un vrai gruyère, attention par ici. Alors je me suis un peu renseigné sur l'histoire quand même. J'ai juste vu. Putain, attention. Aidez-moi. Oh merde. Mon masque pété. Ne me laissez pas buter. Comment tire? Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? En route. Désolé mec. Enfin. Voilà, désolé mec. C'est le bon mot.
Est-ce que j'ai droit à rien du tout là, je vais me faire foutre, il n'y a pas de... de trucs à récolter. Des petits trucs à récolter. S'il vous plaît. Fait chier. Ok, bon. Un peu oppressant par ici quand même. R2. Avec ce stick ultra sensible à mon goût, ça va être horrible. Vous n'existez pas. Ok. J'ai un truc qui brille là. Faut que j'aille où? Je peux pas juste les ignorer, je suis obligé de les tuer. Si je peux les ignorer, je peux les ignorer. Ok. Ouh. Premiers affectés. Non? J'espère bien. Allez, on retourne en ville. On a tous eu non, que dalle en fait. Je les ai laissés vivre, je veux dire. J'aurais pas dû les laisser vivre, mais j'ai préféré. Il y a une chose que j'aime aussi. Je préférais jouer safe. J'ai horreur de l'odeur qui arrive. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. À Bill? C'est qui Bill? Damn, je suis où? Rien à voir ici, très bien. Hop là. La planche est tombée. Très bien. J'ai compris. Tu peux y aller? Mais je suis là. Tiens, cadeau pour toi, attrape. Vas-y. Moi. Ce que je comptais faire. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. Comment je remonte? D'accord. Et moi? Et moi? Tu m'aides? Tu m'aides? Hé! Hey. Merci, hein! J'apprécie ta... Je me demande ce truc des remarques secrets. Putain, mais l'autre chose. J'ai rien oublié. Je préfère déjà quand il y a un peu de musique, c'est un peu plus sympathique. Je fais n'importe quoi, c'est pas grave.
Pas un petit truc ici. Planqué, que dalle, d'accord, ok. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. C'est comme ça que tu vérifies, toi ? Vive la confiance. Ça déconne, con. Tu sais que c'est nos vies qu'on joue là, au moins. T'as l'air d'en rien à branler. Hé, je te parle. Ok, c'est bon, ignore-moi. C'est bon, j'ai capté. Ma gueule ou la porte ? Ou les deux ? Ok. J'ai pas vu briller un truc là ? J'ai des hallucinations ? Ah oui, c'est vrai que... Hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui ? Pas maintenant, Terence. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris. Ok. Très accueillant comme endroit. Je vais faire un petit tour avant. Pas de carte de rationnement. Pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Maniez-vous, on crève de faim. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai rendus en moins d'une heure. Si tu touches, tu payes. Ok. What? C'est qui? Une vieille prise de tête. Virgule, ne le cherche pas. Hein? Brouillon d'avis. Fuck this! Non. Je rentre zoom. Ah, d'accord. Ah, pardon. Ah, on peut lire, ok. En tant que civil, veuillez trouver si je veux. Une poste de gestion des trocs. Ouch. D'accord. En fait, c'est du travail d'intérêt généraux. Affiche recherche. Oh. For Firefly Protection. C'est bon, je t'ai rien fait. Donc cette fille est recherchée par les... pour les Lucioles. Bref. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Donc, la monnaie d'échange, c'est les tickets de rationnement. Look for the light. Regarde pour la lumière. C'est parti. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert.
Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas ici immédiatement. Planquez-vous. Je te couvre. Ouais. Élimine. Oh, wow. Je peux récupérer les balles ? Robert est doué pour une seule chose. J'ai pas le droit aux munitions qu'ils avaient, d'accord. C'est dommage qu'ils aient des soucis de son, quoi. Aide-moi à monter. Il y aurait pas les soucis de son, ce jeu. Je donne c'est un anglais, ils y sont les soucis de son. Lui, ça vous changerait que je le fasse en VOST. Mais je sais pas comment faire. D'ailleurs, dites-moi lui si ça vous intéresse la VOST. Moi, ça, je sais pas pourquoi, j'ai bien envie de me le tenter la VOST. Genre jouer en version originale sous-titrée FR. VOST FR. En gros, avec la voix originale de doublée par. Je crois que c'est que des acteurs qui ont participé au doublage. Par ici, Joël. Encore des gars de Robert. Comment tu sais qu'ils arrivent ? Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. Elle aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Préparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Clank, clank, clank. Sous les yeux des autres. Au fait, je suis passé par Jordan Street. C'est un tas de soldats ont embarqué avec ça. Pan. Bien joué. Oh, la clé. Allez, on fouille le coin. Ok, nickel, moi ça me va. Ils peuvent pas me laisser leurs balles. C'est dégueulasse. Quitte à m'en laisser qu'une, laissez-moi en quoi. Ok, donc ça c'est du soin instantané. Ok, une petite croix dessus, c'est du soin instantané. Bon, y'a pas grand monde. Très bien, allons-y. J'ai rien oublié, moi. J'ai sûrement oublié plein de trucs, vous avez sûrement m'engueulé, mais. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. J'en sais rien. Hey, génial. Qui dans quel jeu vidéo vous trouveriez ça? Genre les mecs, le mec quand il peuvent se mettre au même point de couverture. La différence c'est que il y en a un qui est putain, je déteste aux manettes. Putain de merde.
Alors c'était pas mon but initial mais... Putain. Fais chier quoi. Ah planque toi. Je vous promets. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert alors, planché qui cette nuit? C'est vraiment pas facile de viser avec cette manette. Elle est vraiment trop sensible. Je vous promets. Bon, il faut que j'arrive à le planquer plus que ça. Bon, mieux. Pas mal. On va trouver une solution. Ok. J'ai rien à récupérer ici tant que j'y suis. Je me fais défoncer quoi. Faut qu'on fouille la zone. Il est quelque part dans le coin. Regarde ici. Pas vu. Oh putain, ça franchement c'est mieux que tout à l'heure. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti.
Sur un, une arme furtive qui permet de tuer. Ok. Merde, si je l'avais eu, j'aurais fait cling cling. Basta. Qu'est-ce que ce soin, j'ai l'impression. Merde, elle est où? Elle est en bas. Ok. Je suis beaucoup mieux sorti quand même. On peut au moins me donner le crédit pour ça, quoi. Heureusement que t'es invisible, hein. Je pense que je suis safe. Merde, bon, je le crève un peu devant tout le monde. Son corps est un peu entreposé là devant tout le monde aussi. Cool, une arme. Aucun bruit. La bouteille, c'est à la limite, c'est pas grave, quoi. Je suis rien partout. Parce que je suis en mode normal, c'est ça? Joli, normal. Ce type bouffe vraiment à tous les râteliers en ville. Comment je vais faire? Niveau discrétion, c'est manqué. Bon, l'autre il nous a pas vu, tu me diras. C'est déjà pas trop mal. Crève. Avec ton autre connard de copain au fond te voie. Metal Gear soldat. Le mec il ne voit que devant lui. Soldat de Metal Gear. Salut. Il en reste encore ou je suis safe là?
si j'ai rien d'autre à récupérer. Note. Qu'est-ce qu'on branle avec ce mec? J'aime pas sa façon de nous donner des ordres, j'aime pas sa queue de cheval ridicule, j'aime encore moins le fait qu'il nous ait pas encore payé, sans compter qu'il est recherché par l'équipe les plus dangereux de la ville. Robert a vraiment le don de se mettre les oreilles. Apparemment, c'est son trip. Voir, est-ce que j'ai rien oublié? Je fais juste un petit tour au cas où. Veuillez m'excuser. Je me méfie parce que je suis pas trop allé par là pour l'instant. Ça a l'air safe. Ok. Je pense que j'ai liquidé tout le monde. Pour l'endroit en tout cas. D'accord, je l'avais pas vu, je sais pas d'où il sort. Ok. Jeu de cartes. Referme derrière nous. Reculez, reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Il va! Robert! Joël, par ici! Coucou! Il est passé où? What? Oui, pardon. Salut, Robert. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh, putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde! Ah stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant.
Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Stop ! J'espère que ce premier épisode de The Last of Us vous aura plu. Je garde un peu d'action pour l'épisode suivant, s'il vous plaît. Je vous retrouve très prochainement pour la suite. Je vous dis ciao les gens.